c'est un colis que je viens de recevoir. Rien qu'à toucher déjà, c'est horrible. Déjà, on y voit, donc j'ai ouvert avec le couteau déjà. Et on va voir comment c'est emballé. De là. Voici l'emballage. Donc cette figurine dans le thème de l'Europe. Et là, c'est Chopper normalement. Et voici ce que j'ai reçu. Donc une enveloppe chez AliExpress, c'est tout ça. Ça n'a pas changé. Et pas de boîte en carton. Ils l'ont retiré. Parce qu'apparemment, c'est assez grand. Et ils ont gardé la boîte plastique à l'intérieur pour se protéger de la figurine. Donc ils ont fait en sorte qu'il soit protégé correctement par la statuette, la figurine, avec du scotch, mais sans boîte en carton. Juste en comparaison avec une autre figurine qui a été envoyée, que j'avais déjà fait une vidéo un peu avant sur ce. Voilà, il y a déjà un gros carton déjà avant ce carton, qui est le carton de protection d'emballage d'origine de la figurine. Et ici j'ai une enveloppe en plastique à l'extérieur et la protection d'origine, je pense, peut-être, qui est à l'intérieur de la boîte en carton, qu'ils ont retiré. Et on a, voilà, comparaison, réception avec un gros carton à l'extérieur plus le carton d'origine, et celui-là qui est envoyé comme ça, sous emballage, sac poubelle. Voilà. Sac poubelle à l'envers. Voilà la différence d'emballage déjà. On va voir le contenu, s'il est en bon état ou pas. Donc une grande déception du coup au niveau emballage. Par contre, il a quand même assez bien protégé avec le reste. Donc en plus c'est rayé, donc c'est pas quelque chose qui est dans la boîte depuis longtemps. Ça c'est dégueulasse, l'ensemble, et la peinture dorée qui n'existe même pas dans le logo. Le logo n'a plus de peinture dorée, on voit à peine. Donc tout est parti en fait. C'est soit c'est une version qu'ils ont pris d'un magasin en démonstration. Ça c'est lourd et c'est petit, la statuette. Donc plein de petits défauts sur le petit couteau de Chopper. Donc c'est assez lourd. C'est du plastique souple ici. Le nuage blanc et la corde, c'est mou, ça aussi. Ça aussi. Donc mou, celui-là. Ah, il est retenu par son poing. Il est collé ici. Et le pied.
Sinon, ici, c'est dur. C'est dur ici. Là, c'est légèrement mou. Souple. Légèrement. Ça, c'est dur. Voilà. En promotion, j'avais pris. Et c'est presque deux fois plus cher que l'autre. En promotion, hein. Sans promotion, il est trois, quatre fois plus cher. L'autre aussi, il est en promotion. Donc, tout est intact au niveau figurine. Je crois. Ah oui, après vérification. Donc, ici, il ne tient pas. J'ai mis à l'envers. Comment il tient? Il ne tient pas du tout, en fait. Il n'y a rien pour tenir, juste poser. Voilà. Juste poser, comme ça. Et il fait la tête vers le bas, donc on voit rien du tout. Voilà. On voit pas la tête, on voit pas, donc c'est assez mal fait. Normalement, ça devrait être surélevé pour qu'on puisse voir comme ça. Mais là, il est complètement à l'envers. Il est rabaissé. Là, on voit rien du tout. C'est assez mal foutu, en fait. C'est dommage parce que c'est pas mal du tout au niveau design. Même la matière avec du plastique mou, c'est pas mal. Mais il regarde vers le bas, il courbe vers le bas, du coup, si on pose, on voit rien du tout. On voit ni la tête de Chopper, ni la tête du monstre. À part le dos, voilà, c'est tout. C'est très mal foutu, la position du monstre. Une déception pour un prix beaucoup plus élevé que l'autre en promotion. Voilà. Et l'emballage. C'est toujours comme ça en fait chez AliExpress. L'emballage est le plus terrible de tous les marchands. Il envoie sur le sac plastique avec très peu de protection. Et souvent, il retire le carton d'origine de protection d'emballage d'un objet afin de faciliter le transport au niveau volume, tout ça. Et du coup, le problème de protection est moins efficace. Il y a beaucoup de casse. Bon, il arrive qu'il envoie avec les boîtes aussi, mais très peu. Mais la boîte est abîmée quand même, vu que la poste, tout ça, les transporteurs balancent. Du coup, ça abîme. En fait, je crois que ça va être mon dernier achat chez AliExpress. Depuis que j'ai découvert le nouveau site qui vend avec livraison gratuite et en plus avec les cartons d'emballage d'origine qui est magnifique avec beaucoup de sécurité au niveau transport et protection. Voilà, c'est très rapide hein, cette vidéo, vu qu'il n'y a pas grand chose à voir, c'est très mauvais en fait. C'est un achat compulsif parce qu'il est en promo. Bon, du coup, ça revient très cher vu la qualité et la position et l'emballage. On termine ici. Voilà. Tout petit. Une chose, je viens juste de découvrir que Chopper, il est fixé au pied. Du coup, il est possible de retirer Chopper du monstre. Et du coup, on a une petite figurine à part de Chopper. Avec son casque de samouraï. Le trou pour fixer le pied de Chopper dans le, ouais, j'ai touché à tout, dans le nuage blanc et
ils ont collé, je crois, sur la demi-lune du casque de guerrier là. Ils ont collé un petit bout sur le poing afin de bloquer le mouvement de balancement de la chopper quand je suis fixé sur le monstre. Voilà. J'ai presque rendu la vidéo sans savoir qu'il est possible de déplacer la corne aussi, ça soit cassé. Ça n'arrête pas de bouger, c'est remarqué. Donc ça ne tient pas du tout correctement. Il va bientôt casser. Voilà.